Nous arrivons aujourd'hui à la lettre R. R comme réussite. Qui n'a jamais rêvé de réussir dans la vie? On fait souvent l'éloge de la réussite sociale, de la réussite professionnelle. On nous parle de ces personnalités qui ont réussi dans les affaires, qui ont fait fortune, qui ont pris l'ascenseur social. Ces personnes font parfois la une des journaux. On les adule, on les admire, on les envie, on les applaudit. On leur demande la recette de leur réussite. Mais sachez ceci, il y a une différence profonde entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Certaines stars qui ont réussi et qui sont sur le devant de la scène sont profondément malheureuses, déprimées, en proie à des angoisses, à des vices, à des tourments. Il y a un écrivain célèbre qui a dit un jour « Chacun d'entre nous a le pouvoir de réussir et possède la clé de son destin ». Est-ce que vous voulez réussir votre vie? Alors écoutez bien ce texte qui se trouve dans le livre de Josué, dans la Bible, au chapitre 1er, au verset 8. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors la clé de la réussite pour votre vie, c'est de placer la Bible au centre de votre vie. Lisez-la, méditez-la, mettez-la en application et vous connaîtrez la vraie réussite.